Hi mes babies, donc je reviens avec une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est encore un haul. Donc comme vous avez pu le remarquer, j'aime trop vous faire des hauls. Donc ma passion, c'est vraiment faire du shopping, essayer. J'aime trop ça. Donc je vous refais un autre haul. Je vous ai encore déniché des bons plans. Donc certains articles vont être des articles de chez AliExpress et d'autres articles, les autres articles vont être de chez Primark. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et du coup, je voulais vous montrer d'un peu plus près mon make-up today. Donc franchement, du potentiel ou quoi? Ah oui, et pour ceux qui veulent savoir, je ne mets pas d'eyeliner tout simplement parce que je ne sais pas faire mon trait d'eyeliner. C'est une catastrophe, donc j'ai laissé tomber. Un jour, j'y arriverai, mais pour le moment, c'est un flop total. Donc si vous avez des techniques à me proposer ou des eyeliners avec lesquels vous avez pu commencer, débuter, je suis prenante. Donc voilà. Donc c'est parti. Je suis trop excitée aujourd'hui. Faut que je me calme. Alors le premier article de chez Primark, c'est un t-shirt. Donc vous le verrez essayer, j'aime trop les t-shirts loose. Celui-là, c'est pour la maison. Donc c'est un Disney, c'est un Winnie l'ourson. Et franchement, je l'ai pris en taille L pour vraiment faire loose de fou. Donc voilà. Et j'aime trop. J'aime trop comment ça donne. Deuxième article. Alors j'ai un problème, c'est que j'ai essayé les vêtements et j'ai oublié de les retourner. Donc ça va être un peu galère quoi. Je mets le petit cintre. Le deuxième article, c'est pareil, un t-shirt loose. Cette fois, c'est les bisounours. Voilà, il y a écrit dessus « Born to care ». J'aime trop vraiment. Pareil, je l'ai pris. Ah non, celui-là, je l'ai pris en M. Aussi pour faire loose. Et j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Allez le voir sur la vidéo. Je l'ai porté avec un short cycliste de chez Zara. Franchement, il est juste trop beau. La couleur, j'aime trop. C'est un petit vert kaki. Et je l'ai payé 10 euros. Ah oui, et pour les deux autres. Donc, pour ce t-shirt, je l'ai payé... En fait, il était à 10 euros, je l'ai payé à 5 euros. Et pareil pour le deuxième. Ils étaient en promotion, donc il était à 10 euros, je l'ai payé 5 euros. Et franchement, juste magnifique. Lui, je sais plus si c'est une promotion. Non, celui de Zara, c'est pas une promotion. Et je l'ai pris en taille M. Oups. Voilà, comme ça. Je l'ai pris en taille M et j'aime trop. Juste petit souci, c'est que il est un peu transparent. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis avec des t-shirts longs. De chez Primark, j'ai pris cette veste en jean. Elle est juste trop canon. J'aime trop les vestes en jean. Là, sur le col, c'est en mode moumoute. J'aime trop et à l'intérieur aussi. Voilà. Ça se présente comme ça. Ça. Petit bout ici. Oups. Voilà. Et je l'ai pris en taille 36. Et par contre, je sais plus combien je l'ai payé. Elle était à Primark. Je sais plus. Je crois qu'elle faisait dans les 20 et quelques en fait. Voilà. Et franchement, elle tient grave chaud. Vu que c'est de la moumoute à l'intérieur, elle tient grave chaud. Et franchement, je vous la conseille de fou parce que la qualité, elle est juste trop bien. Donc voilà. J'en ai fini avec les vêtements de chez Primark. Donc j'attaque les vêtements que j'ai pris
récemment de chez AliExpress. Donc j'ai pris ce haut. Si vous avez vu mon premier haul AliExpress, ouais, le premier je crois, j'avais acheté le même mais en noir. Et là je l'ai pris en un beige crème. Voilà. Et franchement il est tout aussi joli. J'aime trop ces hauts, je crois que je vais les prendre dans toutes les couleurs. C'est grave pratique et c'est trop beau quoi. Ils sont doux, ils tiennent chaud, franchement j'aime trop. Donc voilà, je l'ai repris et je crois que je l'ai repris en S. Voilà. J'aime trop. Je crois que je vais acheter toutes les couleurs. Ensuite, pour cet hiver encore, j'ai acheté des cols montants gris. Et pareil, en fait, ils ont la même texture. Ces deux-là, ils ont la même texture. C'est juste que lui, c'est pas le même col. Mais il est trop bien aussi. Il tient chaud. Et il y a plusieurs couleurs aussi, donc j'ai pris lui. Et j'ai pris en noir aussi, qui est grave beau. Donc les deux, je les ai pris en S aussi. Voilà. Et ils sont grave jolis et la qualité juste incroyable. On dirait pas du AliExpress. Et franchement, ils tiennent super chaud. J'ai pris aussi ce collier de chez AliExpress. Il est canon aussi. Franchement, moi j'aime trop les accessoires. Et lui, je l'ai pris de chez AliExpress aussi. Et il y avait en or comme ça ou sinon en argent. Et voilà. Du coup, je l'ai pris en or. Et je pense que je vais l'acheter en argent parce que ils sont grave beaux. Ça habille en fait une tenue. Tout simplement. Regardez. Le col noir. Enfin, le haut noir. Juste avec un petit collier. Ça passe trop crème. Ensuite, j'ai pris ce haut-là. Donc c'est un dupe de chez Zara. J'aime trop ce haut. Donc c'est un haut où on a les épaules dénudées. Et franchement, il est juste canonissime. Bon là, il ressemble un peu à rien, mais porté, je vous le mets là ou là. Porté, il est juste magnifique et classe. Donc moi, je l'ai pris en taille S. Et franchement, il taille grand. En S, je pense que les personnes qui font du S et du M, prenez S. Parce qu'il fait assez large. Voilà. J'aime trop. Et il tient assez chaud quand même. C'est juste que les épaules, elles sont dénudées. Mais sinon, il tient assez chaud. Voilà. Et je crois qu'il y avait aussi en noir. Donc, je vous mettrai le lien. Mais je crois, si je m'en rappelle bien, je l'ai vu en noir aussi. Donc voilà, moi je l'ai pris en un genre de blanc cassé. Juste magnifique. Ah oui, et je porte avec, sur la vidéo, donc je porte avec un pantalon simili-cuir. C'est aussi un dupe de chez Zara et je sais pas, je vous montrerai après. C'est les pantalons à fente. Genre pas d'éléphant mais aussi fente et c'est un dupe de chez Zara, je vous mettrai le lien et il est juste trop beau. C'est juste que, ah oui, petit souci avec ce pantalon, c'est quand il est arrivé il avait une petite odeur bizarre et je trouvais ça trop bizarre. Donc je suis allée sur le site et j'ai regardé les commentaires et je voyais qu'en fait tout le monde avait reçu le pantalon avec une odeur bizarre. Donc je l'ai pris, je l'ai mis à laver. Et l'odeur, franchement, elle part très vite. Donc, voilà. Quand vous recevez des vêtements de chez AliExpress ou des sites asiatiques en général, lavez toujours les vêtements en premier. Les portez pas parce que on sait jamais. Voilà. Petit conseil. Le suivant que je vais vous montrer, c'est un haut que j'ai grave hésité à le prendre. En fait, ça fait un moment qu'il était dans ma wishlist. Et j'hésitais grave à le prendre parce que je savais pas si ça allait arriver comme sur la photo quoi. Et franchement, je suis pas déçue du tout. Donc, on a une petite chemise comme ça, classe, à carreaux. Et par-dessus, il y a un petit débardeur
qu'on vient porter par-dessus. Et franchement, j'aime trop. Genre, ça fait grave classe et un peu original, quoi. Donc, vous verrez dans la vidéo, mais j'aime trop, en fait. Et par contre, il n'y a que cette couleur. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos, mais il n'y a que cette couleur. Et moi, j'aime trop. Porter ça au travail, j'aime trop. Plus que deux articles à vous montrer, et c'est deux blazers. Donc, le premier blazer, c'est un blazer à carreaux. Franchement, la qualité des blazers, enfin des deux que je viens d'acheter, ils sont juste au top. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais ils sont au top, les filles. Si vous voulez des blazers, genre niveau qualité, c'est pas de la merde, quoi. C'est vraiment de la bonne qualité. Les finitions, elles sont nickel aussi. Franchement, j'aime trop. Et en plus, lui, il taille oversize et je l'ai pris en M. À la base, il taille déjà oversize, mais je l'ai pris en M. Et du coup, j'aime trop. Et la couleur, voilà. Lui, franchement, pour le taf, je le saigne à balle. L'article est le meilleur pour moi pour la fin. C'est un blazer, du coup, aussi. Et il est juste trop beau et trop original. Genre, il y a un côté du blazer qui est noir simple. Voilà, petit bouton, noir simple. Et sur l'autre côté, côté gauche, il est en jean. Il est juste magnifique. J'aime trop ce blazer. Donc ça donne comme ça, vous le verrez dans la vidéo. J'aime trop. J'aime trop les filles. Regardez. Derrière, en plus, il est asymétrique. Donc il y a un côté qui est plus long que l'autre. Et franchement, celui-là, j'aime trop. Alors, je l'ai pris en taille S. Et il fait assez large. Ça va. C'est pas un blazer serré quand je le porte. Vous verrez dans la vidéo. Il est assez large. Et franchement, pareil, la finition, nickel. Rien à dire. Et voilà, quoi. Il est juste trop beau. Lui, je l'ai pas encore porté, mais... Voilà, quoi. Je viens juste de le recevoir il n'y a pas très longtemps. Mais il est trop beau. J'aime trop. Les petits articles un peu originaux qu'on voit pas chez tout le monde. J'aime trop ça. Voilà mes babies, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était vraiment un haul très court. Mais j'aime trop vous faire ça. J'ai vu qu'en plus vous kiffez quand je vous fais des hauls. Donc n'hésitez pas à liker. Mettre des commentaires et surtout n'oubliez pas de me rejoindre sur mon compte Instagram et sur mon compte Snap. Je suis grave actif et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bisous.